Trophée, succès, accès limité, créer le passe-partout général. Alors vous avez vu, dans le jeu, vous avez trois niveaux d'habilitation, 1, 2 et 3 qui se débloquent au fur et à mesure de l'histoire, mais vous avez également des portes avec une petite étoile qui fait référence à ce niveau de passe. Alors c'est lié à une mission secondaire, ça s'appelle autorisation requise, et pour pouvoir créer ce passe, il vous faut récupérer des rigs, des petits objets appartenant à des personnes que l'on peut retrouver un peu partout dans l'histoire. Alors ils sont au nombre de 7. Alors moi le premier, je l'ai récupéré dans une zone de l'espace lors du chapitre 3, mais de toute manière, tant que vous n'avez pas dépassé le chapitre 11, vous pouvez vous balader un petit peu partout et tous les récupérer. Forcément, par exemple au chapitre 5 ou 6, vous ne pourrez pas tous les récupérer. À partir du moment où vous êtes en passe de pouvoir le faire, faites-le et allez créer ce pass au niveau de la espèce de borne que je vous montre à l'écran, qui elle en fait elle nous est montrée automatiquement dans le cadre de l'histoire lors du chapitre 4. En tout cas on y a accès, il suffit d'interagir avec elle pour débloquer la mission secondaire, et après un petit peu comme les autres missions secondaires, vous pouvez utiliser votre GPS pour vous guider un petit peu pour les trouver. Alors c'est pas forcément facile, on va regarder ensemble où ils se trouvent. Et au-delà de débloquer le trophée et terminer la quête, vous allez avoir accès à des zones dans lesquelles vous aurez du loot et également des schémas d'amélioration pour des armes. Tout de suite, on regarde ça. Donc, début de correction de parcours. Entrer dans une zone de vide. Zone de vide, donc on n'a plus d'oxygène. Arriver des bricoles. C'est quoi ça? Ville de Volker. Ah, il est là, lui. Isaac. Désolé. Putain, vous m'avez fait peur. Non, non, gardez ce fusil à portée. Qu'est-ce que c'est? Celui qui m'a attaqué. J'ai réussi à le piéger là-dedans. Son visage. J'hallucine ou quoi? C'est Chen. Vous pouvez plus rien pour lui, Amon. Vous avez raison. Je devrais. Et puis merde. Il va l'exploser dans l'espace. Capsule de sauvetage 47 lancée. J'ai bossé des années avec lui. Et Johnston aussi. Elle, au moins, elle s'est pas transformée en monstre. On va arranger ça, Amon. Pour eux. Oui. Allez, les canons de la DEF. Je peux tenir cette position un moment. Sauf si d'autres astéroïdes nous tombent dessus. Généreux ici, hein. C'est que l'alimentation de la DEF a flambé. Les systèmes administrateurs ne font pas grand-chose. Nous pourrions rediriger le courant qui leur est dédié. Faudrait que je rebranche le panneau électrique, mais ça relancerait les canons de la DEF. Bien. Isaac, qu'on
concernant ce qu'a dit Daniels. Je sais rien sur des extractions illégales ni sur le monolithe. Je le jure, je suis là que pour la mission de réparation. Écoutez, je vous connais pas assez bien, Daniels et vous pour en juger. L'histoire nous le dira. La CEC était forcément au courant pour le monolithe. L'entreprise peut-être. Mais ce genre de merdier va au-delà de mes autorisations. On en discutera plus tard. Il faut trouver un moyen de descendre jusqu'à ces panneaux électriques. Vous pourrez rétablir les ascenseurs vers l'atrium depuis la sécurité. Vous aurez accès à tout. J'ai trouvé une carte de cadre de la CEC. Je vais augmenter vos autorisations. Oh, ça me plaît. Vous avez déjà augmenté les vôtres ? Ouais. Juste au cas où. Oui, bien sûr. Et Isaac ? J'ai entendu un truc là-haut. Un gros truc. Faites attention à vous. Trouver un monde, c'est fait. Habilitation de sécurité de niveau 2. Activer les ascenseurs. Que l'équipage. Alerte. Multiples protocoles de sécurité corrompus. Certaines zones sont inaccessibles. Objectif accompli, trouver le rig de Volker, responsable du hangar. Obtenir les permissions RIG du département et compiler le passe-partout. Volker, c'est pas le truc qu'on avait trouvé dans l'espace au début du niveau du chapitre. Trouver le RIG de Holt. Ouais. N'oubliez pas que vous devez réactiver les ascenseurs depuis la sécurité. Je joue plus loin. Ouais, ça nous a rajouté des objectifs. Sur le canon de la DEF avec un de mes outils. Je vise un astéroïde, les canons détruisent et je recalibre le système. On n'a pas d'autre solution. Allez-y. Calibrer 3 canons de défense, ok, et là. Demande de sécurité retrouvée. Oh, mais... Il tombe des gros cailloux, ça donne pas envie. Intégrité de la coque 86%, il faut peut-être s'activer. Waouh, par contre, on voit pas grand chose. Les trucs d'oxygène en hauteur là. Ok. Ouais, super. Je crois pas pourquoi chaque fois qu'on reprend l'oxygène, ça nous tourne sur le côté, c'est pas très agréable. Se mettant là, ça peut nous éviter de prendre les cailloux. Alerte. Intégrité de la coque compromise. Rig de White. White, c'est... on en entendait parler tout à l'heure. Ah, et c'est lié au truc secondaire qu'on nous a donné tout à l'heure. Là, voilà, on devait trouver le rigueur. Il y a un cinquième siffleur à piquer. Isaac, j'ai lu les notes de Cross sur... Oh merde. Oh putain. Kendra. C'est vachement bien ça, hein. C'est juste impossible.
Même pas sûr que ça tire dedans, mais... Ah, il est plus belle, hein. Est-ce qu'il en reste ? Ça m'embête un peu d'espiller une balle comme ça. Qu'est-ce qu'on a de beau, Rig Bolt? Ah, il me semble que c'est mission. C'est des missions avec ça. C'est ceux-là, ouais. Huitième épisode dans notre aventure secours et recherche. Se rendre sur la passerelle. Alors on va en profiter pour trouver le rig de Rousseau dans la mission autorisation requise. Levée du verrouillage de la station. On va profiter de la nouvelle acquisition de notre carte de sécurité numéro 3. Ah, petit détour. Je sais pas comment on met le courant là sur cette porte. Ah. Ouais, non, ça c'est pour... Attends, pas tellement pas. Bon, tant que notre GPS nous indique un chemin, ça va être bien. Puis tant qu'il n'y a pas trop de bestioles, ça me va bien aussi. On tourne. Oh bah. Ah oui d'accord, non c'est toi qui me suis trompé. J'ai dit mais c'est pas possible, il me fait faire demi-tour. On lui fait confiance, hein. Ah, part de niveau 3. Habilitation confirmée. On doit être pas mal. Forcément ici, on n'y a jamais été avant. Rig de Rousseau. Je l'ai vu lever le bras sur mon audio. Journal d'ingénierie. Responsable ingénierie Ariel Rousseau, au rapport. La maintenance de la centrifugeuse est... Je disais quoi? Je dors mal depuis l'arrivée de ce monolithe. J'ai un peu... La seule chose dont je me souvienne bien, c'est de cette inspection des moteurs. En entrant dans la salle au lieu du moteur principal, il y avait un cœur de la taille de la pièce qui battait encore et encore. Ensuite, Anderson a dit un truc et quand j'ai tourné la tête, c'était redevenu une machine. Et j'entends encore ses battements au loin, c'est presque apaisant. Est-ce que ça pourrait m'aider à dormir? Si je me rapprochais assez... Si j'entrais, peut-être, là où il fait chaud et sombre. Oui, pourquoi pas.
C'est temps, hein. Journal des communications. Premier opérateur Bailey au rapport. J'aimerais que ceci soit enregistré. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Matthews refuse l'envoi de tout appel de détresse. Et on sait tous pourquoi. Cette opération tout entière est illégale. Aegis-7 a été condamné. Il le savait, on le savait. Et on s'est tous tués. Mais c'est fini maintenant. Mayday, Mayday, Mayday. Ici USG Ishimura. J'appelle. Mais... quelque... Seigneur, il a désactivé l'antenne de communication. C'est foutu. Rick de Belen. Il nous reste plus beaucoup à trouver. Alors, trouver le Rick de Benson. On va se le marquer. Sortie d'une zone en zéro gravité. Tire d'ici, on va se remettre le de la navette de la direction. Parce que... un petit peu loin pour que notre système GPS nous guide. Ok. Et est-ce que là, il arrive à boucher les wagons ou pas? Marrant que... avant, il nous... il peut nous aider. Oula. C'est pas ici où il y a une porte qui claque normalement. Oh oh oh. Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas me le chercher? Non, non. Rick de Benson, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Fabriquer le passe-partout général. Ah bah, on va enfin pouvoir avoir le méga pass. Donc prochaine étape.
repart. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Non, ça, avec un fémur, on va pas aller loin. Pourquoi il n'y a pas de... Il avait bien des parties en... dangereuses sur lui, ces petites patounes. J'ai l'impression qu'il y a un truc derrière. C'est un effet d'ombre. Je me fais peur moi-même. Ouais. Surprise, hein, s'il vous plaît. Sur la bonne voie. Accès limité. Tout accès sera enregistré. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir tout partout comme on veut. Là, c'était vraiment sympa cette mission secondaire, très 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 utile.